Vidéo, première vidéo du week-end. On va commencer par Fallout 76. Donc ça va être la série des cartes au trésor des rocheuses escarpées. Il y en a 10, comme dans la forêt. Il y en a certaines qui sont un peu compliquées, mais bon, c'est comme, comme la dernière fois. Je vous montre à peu près de d'où on part quand on se téléporte directement sur un des points zone. Et je vous montre un petit chemin avec l'emplacement de du coffre au trésor. Et un petit truc, c'est qu'en plus, vous pouvez en fait cliquer plusieurs fois comme un con. Je l'ai pas fait et je m'en aperçois là dans les rushs que vous avez là. Donc vous verrez. En fait, on peut cliquer. Deux fois, trois fois, quatre fois, ça dépend vraiment de la carte à trésor. Donc, profitez-en, allez-y, ramassez du stuff, comme ça vous pouvez vous faire des petits trucs. Paf, je vous dis bonne vidéo. Allez, bon. Première carte des rocheuses escarpées. Alors, au champ d'épuration fédérale, quand vous tapez le bâtiment d'Enrifice, vous suivez la route au nord-est. Et un peu dans le virage là, vous allez arriver, vous allez voir un panneau. Un panneau jaune biohazard et juste en dessous là, voilà, vous avez la butte. Voilà, deuxième trésor. Alors, quand vous vous tapez au nouveau dépôt central des Appalaches, vous continuez au nord, vous allez jusqu'au voie de chemin de fer. Vous suivez les voies de chemin de fer. Faites attention, mob. Et bug. Suivez les voies de chemin de fer. Passez entre l'accident de train. Voilà. Et juste au bout, là où les deux rails se regroupent, juste là, vous avez la butte. Moi, j'ai pas le plan, alors je peux pas la ramasser, mais. Elle est bien ici. Voilà. Un dernier pour la route. Ah. Raté, l'enfoiré a bougé. Ah. Son emplacement exact, c'est là. Alors, trésor numéro 3. Vous allez à peu près au nord. Du sommet du monde, vous avez les téléphériques. Là, vous descendez à partir de là. Là, vous avez les panneaux indicateurs. Là, vous suivez les téléphériques et vous descendez là, juste à côté du poteau, là où le téléphérique est écrasé. Vous avez la butte à creuser. Tac, non, c'est là exactement. Juste à la pointe du dessin du sommet du monde. Voilà. Trésor numéro 4. Alors, quand vous vous tapez à la mare de Solomon. Alors, normalement, vous arrivez au sud. Et là, du sud, vous faites attention aux flotteurs. Vous les défoncez. Et là, vous allez jusqu'au pont qui est sur la mare. Donc, traverser une partie et arriver là. Là. Voilà. Vous avez le tas. La butte à creuser. Juste là. Il vous redonne des cartes à trésor en plus. Juste là. Ce qui fait son emplacement exact ici. Alors, trésor des rocheuses numéro 5. Donc, soit vous vous tapez à la mine de Blackwater, soit au chalet de Middle Mountain. Mais quoi qu'il en soit. De la mine, vous montez, vous visez ce panneau là. Panneau pick-up jaune, jaune et bleu d'en bas. On le voit bien. Vous montez jusque là. Et le trésor est juste devant. C'est la seule partie de terre que vous avez. Seule partie de terre que vous avez devant le panneau. Elle est là. Hop,
Ici, exactement. Alors, trésor numéro 6 au nord du palais du Léon Venteux. Donc, vous allez jusqu'au nord du bâtiment. Vraiment, vous avez la sortie. Là, vous prenez le chemin qui descend. Enfin, chemin, c'est pas vraiment un chemin. Tac. Là, on se trompe pas, hein. Continue, on passe à côté de l'arbre cassé et là vous avez le tas qui est juste là, la petite butte. Voilà. Alors trésor numéro 7. Alors quand vous vous TP au poste d'observation d'altitude sud, vous allez au bord est de la falaise. Vous avez le poste là, au bord est. Alors moi je vais faire l'armure assistée, si vous êtes à pied, faites attention. Vous sautez. Pour descendre, premier niveau. Et là, en fait, au bout de celle-là, vous sautez à niveau. Ah, bon, peut-être pas forcément au bout, mais voilà. Encore. Lag serveur. Relag serveur. Eh, sérieux, ce jeu. Oh, je comprends plus. Bon. Après trois fausses vraies chutes, en sautant de là-haut, vous allez arriver. Ici, donc on a cette vue-là, on se trompe pas parce qu'on peut se tromper avec celle-là, mais il n'y a pas d'arbre couché. Vous voyez, il y a quatre arbres. Et la seule façon d'y arriver, hein, c'est en se laissant descendre. Vous avez la butte. C'est compliqué celle-là à aller chercher. Ça fait son emplacement exact ici. Alors, trésor numéro 8. Quand vous vous TP à gare de Pleasant Valley, vous remontez dans votre chemin de fer. À un moment, ça s'écarte. Vous mettez entre les. Vous prenez le chemin, un petit chemin qui est sur le côté. Vous voyez, il y a un petit chemin. Vous le suivez et vous allez arriver jusqu'à une petite aire de repos avec une moto. Hop. Et le tas est juste là, juste en face de la table. Ici, pour être exact. Voilà. Hop, trésor numéro 9. Donc, quand vous arrivez, quand vous TP au chalet d'Automne Acre, qui est là, vous suivez la falaise jusque là. Là, vous descendez. Et si vous regardez là, voilà. Vous regardez là, vous avez des fleurs, quatre fleurs, quatre paquets de fleurs jaunes. Et c'est juste là. Vous avez la butte juste en dessous. Ça vous donne donc son emplacement exact, juste en dessous du dessin du chalet. Vous voyez. Trésor des Rocheuses numéro 10, la dernière. Oh, faites attention. Au calciné et au sulfurique car on est proche de site de Brèche tout au nord-est à côté de chalet de la famille de Bellay et près de l'abri 79 donc quand vous êtes au site de Brèche vous avez les deux pick-up là comme ça quand vous arrivez à ce niveau là vous tournez à droite donc juste vous voyez là vous avez des baies pétards et ben juste là vous avez la butte là son emplacement exactement. C'est là. Et voilà. Hop, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça vous a aidé. Donc, la prochaine vidéo sera sur les 7 qui restent. Tourbier, cendrière, tourbière et vallée toxique. Comme ça, je fais tout d'un coup. Il y en a, ça fait en tout, ça fait une série de 15. Je crois. Donc comme ça, bah, ça fera une troisième vidéo sur les trésors et comme ça en plus, bah, on finira là-dessus pour ce qui est des trésors. Je sais pas d'autres, je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur Fallout. On verra par rapport à ce qu'ils vont sortir. Donc je vous dis, bah, abonnez-vous, un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est comme si ça vous a plu et puis à la prochaine.